Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 9e, je crois, épisode de Peak All Blacks saison 2. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé, j'étais complètement paumé, alors littéralement paumé. D'ailleurs, j'en suis désolé parce que l'épisode n'était pas génial. Je suis passé en 1.5.1 d'ailleurs, enfin 1.7.5 d'ailleurs. On va manger, déjà on va manger. Et il s'avère que j'ai regardé les épisodes dernièrement pour essayer de retrouver où est-ce que je suis. Et je me souviens, enfin je me souviens... J'ai revu à l'épisode où je me trouvais dans une grotte juste en dessous de chez moi en X 1064 et Z 989. Donc on va essayer. Non, c'est pas par là du coup. Alors X 1064, ça veut dire que je suis à peu près par les, vers les 1000. Et Z combien? 989. Ouais, donc je suis pas tout à fait à côté quand même. Je suis quand même assez loin. On va essayer d'y retourner. Alors ça, je l'ai pris, je crois l'épisode 6, j'étais dans une galerie, au fin fond de... J'étais à couche 11 d'ailleurs, ce que j'ai noté. Faudra essayer de le retrouver, si vous arrivez à le trouver, ok, pourquoi pas, enfin... Mais j'aurais déjà tourné, mais c'est gentil quand même. Alors là, il y a des vaches, d'ailleurs ce serait peut-être intéressant d'en buter une ou deux. Ah mais je suis plein, quel imbécile. Hop, qu'est-ce que je peux virer? Une carotte? Non, je vais en avoir besoin. Ça aussi. Non. Voilà. Donc, on a dit 1064 et 989. Oh, je suis allé un peu loin. Donc, 1064. Donc, ça veut dire que je suis par là. Donc je devais être dessous. Est-ce que j'étais dessous loin ou dessous près? Et puis dans quelle direction? Oh mon dieu, je suis pas encore arrivé. Hein. Bon, ok. Ça c'était un fail. Ah, ça y est, je vais remonter chez moi. Enfin. Alléluia. Tiens, un œuf. Oh mon dieu. Ça y est, j'y suis enfin arrivé. Tada! Back. I'm back. En fait, j'étais pas très loin du tout de mes coordonnées que j'avais marquées. En fait, je devais être vraiment juste en dessous de chez moi. Ah bah dis donc, ça fait du bien. Parce que là, après pas mal de temps passé dans les grottes, ça fait vraiment du bien de se retrouver ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va déjà faire cuire un petit peu tout le tintouin. Parce que je me souviens avoir eu beaucoup, mais quand je dis beaucoup, beaucoup de fer. Oh mon dieu, tout ce que j'ai en fer, ça c'est nickel. Je vais pouvoir me faire un paquet de trucs. Mon armure tient le coup. Ce qui me manquait, c'était des diamants, surtout. Ben, parce que j'en ai toujours que deux. Pas du tout ce que je cherche, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je me souvenais plus qu'est-ce que je voulais faire dans cet épisode. Si, je voulais au moins essayer de commencer un petit peu le musée, mais je suis pas sûr d'y arriver. On va déjà essayer de trier un petit peu toute ma merdouille. Hein. Déjà, je pense qu'on va essayer de faire quelque chose comme ça. Ah oui, je vais couper du bois d'abord. Est-ce que j'avais... Ah si, j'avais une hache. Je vais couper un peu de bois parce que je suis un peu à sec. Donc j'ai raciné un de ces grands arbres. Une fois que ça sera fait. J'aurai plus de problème de bois avant un bout de temps. Hop. Voilà. On va en prendre un petit peu. Il m'en faut pas beaucoup, juste de quoi renflouer un peu mes caisses. Allez. Voilà, je vous en dis pas plus. J'oublie peut-être pas tous les morceaux de bois quand même. J'en ai pris quoi? 23, voilà. 23, ça devrait aller. Bon. Ben, j'étais parti loin en fait. Hein. J'étais parti assez loin. Hop, on va en faire un petit peu. Donc... Un coffre, sachant que je vais en avoir besoin de plus. Gna gna, hop, deux coffres. Je pense qu'on va en faire au moins deux complets. Au moins pour ce qui est de... On va faire les... On va faire quoi? On va faire un coffre bloc et un coffre... Et un coffre autre matériau. Hop. Donc,
Oula, oula, attendez, il y a un truc qui va pas. Il me faudrait juste un bloc avant de partir. Ici, ça va être les blocs. Alors, un bloc. Un deuxième. Troisième. Quatrième. Hop. Oakwood. Spruce wood. Voilà, donc déjà on a déjà tout ça. Tiens, on va en profiter. On va en profiter aussi. Hop, voilà. On a déjà tout ça. C'est pas mal. C'est déjà un bon début. Alors ici, ça sera les objets de base. Donc on a ça. On a ça. Oula, je vais peut-être éternuer là. Attention. Ça veut pas sortir. Désolé. Ouf. Désolé, décidément, il a eu du mal à sortir celui-là. Donc, alors l'arc qui me sert un peu à rien parce qu'il est presque pété, donc voilà. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? J'ai pas un truc, tiens, une épée. Voilà, une épée, une stone sword, une torche, le seau d'eau, peut-être pas. Hop, ça. Eh bien, c'est déjà pas mal pour mon inventaire. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors là, on commence à avoir. Oh, ouf, que ça va être génial. Donc, on va faire ça déjà. Ça y est, le bloc of iron. Check. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'à la limite, j'ai mon stuff complet. Ah, si, je sais ce que je peux faire. J'ai plus de pioche en fer. Je crois. Ah non, j'ai plus de pioche en fer. Évidemment, j'ai plus non plus. Deux bâtons, je vais faire deux pioches en fer, au moins ça sera fait. Pop, deux pioches en fer. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec tout ce fer mirobolant? Déjà, je vais poser le lingot de fer. Ce sera déjà pas mal. Alors, qu'est-ce que... Oh mon Dieu! C'est un squelette avec une armure full en or. Bon, pas enchanté, mais c'est déjà pas mal. Couchons à côté, je regarde un petit peu dehors au passage. J'ai peur de me prendre des mobs sur la figure là aussi. Là il y a quoi? Là il y a quoi? Il y a quoi? Bon, ok, d'accord. Ok. Donc là on a déjà quelques petits trucs, c'est sympa. Ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait faire, je vais essayer de faire. Ouais, allez. Je vais faire le l'enclume. Ça va me coûter super cher, mais je vais faire l'enclume. Si je me souviens bien, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Et non, c'était pas ça. Est-ce que c'est pas juste ça? Ah, attendez. Je cherche, hein. Ah, bah voilà. Handville. Eh oh! Mon enclume. Est-ce que je la pose ou est-ce que je la garde? Je vais la garder parce que pour l'instant, ça ne me sert pas à grand-chose. On la garder en tant qu'item. Voilà. On la garder en tant qu'item. C'est déjà pas mal. Il me reste en quoi? Il me reste encore plein, plein, plein de fer. C'est déjà pas mal. Attendez, je vais faire passer la nuit. Aïe. Non, ça va pas aller si je me casse la figure. Dors. Allez. Voilà. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai dans mon coffre. Je vais chercher ce que j'ai dans mon coffre. Alors, j'avais quoi? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bon, ok, d'accord. Ça va être long. Wow. Un squelette dans le coin. Ah, non, c'était pas la flotte que je cherchais. Donc, évidemment, j'ai presque rien à balader. J'ai pris quoi sinon? J'ai rien pris. Ouais, non, mais j'ai pas la place en fait de balader. Vous savez quoi? Je vais utiliser toute ma cobble pour faire le plat du bâtiment du musée. On va faire un peu de construction aussi dans cet épisode. Là, j'ai commencé à trier. Tiens, viens là. Bouh! Démoli! Mais alors là, mais démoli d'un coup là. C'était l'explosion totale. Alors.
On va remplir un peu, je vais faire un peu. Oh là! Décidément, je suis fatigué ce soir. On va remplir un petit peu cette zone-là. Yeah. Dis donc, il y a des trous. Y a des trous, trop, trous. Alors, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui coule. Il n'y a pas d'eau qui coule là dans le coin. Donc, il y a une grotte dessous. D'ailleurs, ça s'entend, il y a eu un bruit. Quelque part, il y a de l'eau qui coule. Hein. Ah! Trouvé, il y a une grotte qui passe dessous. Il y a une grotte qui passe dessous, c'est très intéressant d'ailleurs. Faut que je note sa position. Peut-être qu'il pourrait y avoir des trucs assez sympathiques. D'ailleurs, en faisant ça, en fait, je vide. Surtout, je vide mon stack de cobble. Voilà. Oh, décidément. Je sais pas du tout me servir. Oh, pfff. Vraiment pas. Je sais pas du tout me servir de mon pointeur ce soir. Oh là là. Voilà. Je finis de vider ce stack là et ensuite on reprend les choses sérieuses. Là, j'aurais un petit peu vidé parce que ça me sert pas à grand chose d'avoir 20 000 stacks de cobble. Alors là, ce qui m'inquiète aussi, c'est que je vais bientôt plus avoir de nourriture, je crois. Il me reste pas non plus des masses. Je vais aller observer, je vais aller regarder ça. Alors, donc voilà, ça commence à prendre un minimum forme déjà. Alors, je vais tuer un petit peu de vaches et cochons. On va profiter un petit peu. Évidemment, ah si, je peux quand même récupérer. Bah, dis donc, je les one shot pas, mais avec une épée en diamant, ouais. Vivement que je fasse ma table d'enchant. Ça devient limite hyper impératif maintenant. Surtout que je suis. Comme vous le savez, je flippe pas mal. Donc des enchantements sur mon armure, ça m'aiderait un petit peu à sauter le pas. Alors, on va ranger un petit peu. Il va y avoir des merdouilles aussi là-bas que je pourrais rapatrier facilement. Les slimballs, tiens, on va en laisser une ici parce que j'en ai besoin de qu'une. On va remettre ça là. J'en ai besoin de qu'une aussi de ça. Voilà, là, 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 là. La pièce, on peut le mettre. La clé, je vais la garder. Hop. Ah si, j'ai encore une place. Je peux garder quelque chose. Je peux garder quelque chose avec moi. Tiens, les slaplings. Prendre celle-là. Bah dis donc, j'en ai avoir des trucs. Hop, 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 hop. Alors je sais pas pourquoi il y a toujours certains objets qui sont pas dans le pack de textures, c'est toujours bizarre, je comprends pas. Ah bah j'en avais plein là. Bon, pourquoi pas. Hop, on va transvaser ça. Hop, hop. Alors ça donne quoi ça? Ah bah voilà. Il ne reste plus qu'un ici. Oh my god, il m'en reste encore énormément. C'est génial. C'est super génial. On va faire cuire ça aussi. Ça me fera mes deux derniers trucs de charbon. Je vais devoir aller rechercher d'ailleurs le charbon. J'ai beau avoir un stock de 54, j'aime bien toujours avoir des réserves au cas où. Là, tiens, bonne idée. Hop, hop. Ça, c'est fait. Ouh, ben. J'ai pas mal de trucs, ça c'est super cool. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Parce qu'il y a l'or qui cuit. Qui cuit. On va continuer un peu à transvaser. Ouais, on peut continuer encore. Donc, on peut prendre un de ça. Un de ça. Un de ça. Alors tiens, un bloc, une pumpkin. Il bon, faudrait une deuxième de pumpkin. Ça aurait été pas mal pour me faire une jack-o'-lanterne. Du coup, je vais devoir en rechercher une autre. Alors, ce que je voulais faire, je vais faire un peu des stocks de nourriture. On va faire un lit, un deuxième lit. Non, c'est pas là que ça va. On va faire un lit, un deuxième lit, et on va partir en expédition parce qu'il me faut pas mal de choses que je n'ai pas ici, en fait, tout simplement. Que je n'ai pas dans ce biome-là et qu'il faudrait en fait que j'aille chercher ailleurs, tout simplement.
D'ailleurs, choper genre surtout des cactus, des trucs que je trouve pas ici, tout simplement, trucs que je trouve dans d'autres biomes et que pour l'instant je n'ai pas du tout dans ma région. Ah, voilà, j'arrive même plus à ouvrir les portes, décidément, décidément. Alors, non, c'est pas ça. C'était pas là que je voulais ranger, c'était là. Alors, donc il me faut de la place, il me faut de la place. On va poser. Déjà, je vais me faire un lit. Je vais faire un nouveau lit. Évidemment, pas assez de lait, enfin pas assez de bois. Hop, hop, bed. Donc j'ai mon lit, j'ai mon lit, j'ai mon lit, j'ai pas mal de nourriture qui me permettra de survivre un bout de temps. Hop. Oh mon dieu, je suis niveau 28, c'est pas mal. Donc, Iron Pickaxe, nanana, je vais refaire une stone, enfin au moins une hache en fer. Je regarde un peu ce que j'ai, je me prépare. Je me prépare, je me prépare. Surtout que là j'ai les moyens de me faire une hache en fer. Hop. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? 9 de charbon, c'est peut-être pas assez. De toute façon, il va m'en rester. Il va m'en rester. Hop. 20, ça suffira largement. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Non, non, bah ça va en fait. Ça va, ça va. J'ai suffisamment. Bon, bah, prochain épisode, vous savez ce qu'on fait. Je note les coordonnées de retour, hein, et puis on file dans une direction chercher de nouveaux horizons. Au moins pour aller chercher de nouveaux items, genre de trucs. Voilà. On continue à transvaser. C'est un épisode un petit peu calmos. Hein, bah, peut-être pas. C'est un épisode assez indispensable parce que c'est la logistique. Il faut toujours, hein. Pas faire autrement. Hop. 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 J'y arrive pas du tout. Voilà. Tac. Faut toujours un petit peu de logistique si on veut rester tranquille. Alors, hop, 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 hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai rien d'autre. Oui, c'est bon. Est-ce que j'ai suffisamment de place? La question qui tue. Je vais me faire un briquet aussi. Faire un briquet, d'ailleurs, ça me libérer une place normalement. Hop, ah, voilà, j'ai fait un briquet. Je vais libérer aussi de la place avec ça. Je vais garder 10 lingots de fer au cas où. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Est-ce que j'en ai besoin de tant de trucs? On va essayer de voir en rangeant un petit peu tout ce que ça fait comme place. Bon, les flèches, ça me sert à rien. La laine, ça me sert à rien non plus. Donc j'ai 9 de place, c'est peut-être pas énorme quand même. Ceci, ça me sert à rien. La mosstone, ça me sert plus à rien. Je finis par l'avoir, cette mosstone. Hop, à la flotte. 10, 10 de place. Oh, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Parce que ça, je me tâte un petit peu. On va essayer d'aller poser un dernier. Aïe, oui. Un dernier stack. Putain, il est où le. Je cherche le soleil. Ah, mais il se couche. Ah, bon. Alors, vous savez quoi? On va attendre que le soleil se couche, on dort, je pose le dernier stack, je vous laisse là parce que je crois que c'est bientôt la fin de l'épisode, dans une minute, oui. Dans une minute, ça aura fait une vingtaine de minutes. Et on se retrouvera dans le prochain Suspense Suspense pour un épisode d'exploration. Pour aller chercher, je pense, ça va être quoi? Du cactus? Oui, du cactus. Donc, il y aura du cactus, différents blocs du désert. Bah allez, je peux dormir, oui, ou... Voilà, ça y est. Différents blocs du désert. Peut-être si je tape sur des mobs, genre un Enderman, une Enderpearl, même si j'ai pas trop envie de me taper contre un Enderman, étant donné que c'est quand même assez puissant. Suffisamment pour me quadruple shotter, je pense, minimum. Ouais. Qu'est-ce qu'il me faudra d'autre? Différentes... Pierre, pourquoi pas tomber sur un village avec une forge, histoire de d'avoir quelques diamants d'un coup. Ça serait pas mal, ça aussi. Ah, oui. Ah bah voilà.
Ça fait 20 minutes, je vais finir le stack. Et ensuite, je vous laisse là pour le prochain épisode où on consacrera à l'exploration. Peut-être que je prenne des os aussi sur moi si je retrouve les chiens. Toujours intéressant un chien, même s'il va se faire buter rapidement. Ah oui, et puis il y a les chevaux aussi. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Si je peux trouver des selles aussi, ça serait sympa. Ok, on arrête là. J'espère que ça vous aura plu. Épisode assez calme, hein, normal. C'est un épisode de transition entre les grottes. Là, on va partir sur l'exploration. Ça sera déjà un peu plus mouvementé. C'est un épisode logistique assez indispensable. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à partager ma chaîne, à venir vous abonner à ma chaîne aussi si vous n'êtes pas abonné. Me suivre sur Twitter, @Celandron. Et puis voilà. Et ben, en espérant que je vous reverrai bien, de vous revoir bientôt en tant que spectateur. Et ben à la prochaine. Salut à tous!